Conflit d'identité dans les rencontres interculturelles. Une étude missiologique de Kokumbo, l'étudiant noir d'Akeloba Gera. Tel était le thème de la thèse doctorale du père Charles Kwaku Adjumani. La défense de la thèse a eu lieu à Rome, à l'université pontificale Urbaniana, le 21 juillet passé. Défense qui a vu la participation de plusieurs membres de la communauté catholique ivoirienne à Rome, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Saint-Siège et la communauté de la Nocheta avec à sa tête le supérieur général. On vient d'assister à la soutenance de thèse du père Charles Adjumani. Il a été reconnu docteur et même le jury a demandé que sa thèse soit publiée en intégralité, ce qui est un vrai honneur. Et puis aussi à la Société des Missions africaines. Je suis content parce qu'on a besoin, aujourd'hui que nos membres nous aident à bien étudier, à bien saisir l'enjeu de la missiologie. Et j'aime que sa thèse est partie d'un roman ivoirien, Kokumbo, l'étudiant noir, d'Akeloba Gérard. Et de cela, Charles a cherché à voir les conflits, même intérieurs, qu'il y a non seulement dans la société, mais dans une personne qui se sent tiraillé par deux identités, par un conflit d'identité. Et il a même souligné que cela, c'est un kairos, un temps favorable, disons, une occasion pour la missiologie, ou plutôt pour l'évangélisation. À partir de ce conflit, voir ce qui est vraiment bien dans l'Évangile, qui nous révèle nous-mêmes à nous-mêmes, je voudrais le dire. Donc, je suis content de cette thèse, ça promet aussi pour l'avenir. Même le jury a demandé que Charles, s'il va à Abidjan enseigner, qu'il se retrouve avec d'autres qui ont étudié ici à l'Urbanienne et qui puissent faire un réseau d'études et contribuer à approfondir les thèmes de missiologie en Afrique, à partir de l'Afrique. Très bien, je suis content.